Le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale, Bachar Ali Souleymane, poursuit l'installation des nouveaux gouverneurs nommés il y a quelques semaines. Après la région de Sila, Bachar Ali Souleymane s'est rendu à Bangor, dans la région du Mayo-Kébi-Est, pour installer le nouveau gouverneur dans ses nouvelles fonctions. Innocent Kilayo. Après avoir installé il y a quelques jours le gouverneur de la région de Sila, Bachar Ali Souleymane a mis le cap sur Bangor, chef-lieu de la région du Mayo-Kébi-Est. Le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale est parti installer Moussa Haroun Tirgo. Il remplace à ce poste Ramadan Erdebou. L'ancien gouverneur du Mayo-Kébi-Est a présenté son bilan de gestion, un bilan qui porte essentiellement sur la lutte contre l'insécurité orchestrée par les coupeurs de route et d'autres bandits de grand chemin. Une lutte qui se poursuivra avec beaucoup de rigueur, affirme Moussa Haroun Tirgo. Le nouveau gouverneur du Mayo-Kébi-Est promet le calvaire aux bandits qui perturbent la quiétude de la population de cette vaste région. Je mènerai une lutte sans merci contre les bandits de grand chemin, les kidnappeurs des enfants, les voleurs en main armée ou les fauteurs de troubles à l'ordre public. Ces genres de délinquants me verront dans leur chemin, pas seulement en tant que gouverneur, mais aussi comme soldat armé en main. Le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale demande au nouveau gouverneur du Mayo-Kébi-Est de redoubler la vigilance afin de bien combattre l'insécurité. Je suis convaincu qu'il mettra ses expériences à contribution pour restaurer l'autorité de l'État et le développement de votre région. Le ministre de l'administration du territoire et de la gouvernance locale a ensuite tenu une longue rencontre avec les autorités administratives, les chefs traditionnels ainsi que les représentants des ONG. Cette rencontre élargie porte sur l'administration et le développement local.